Johnny, Johnny. Oui, papa. Tu as mangé du sucre. Non, papa. Tu dis des mensonges. Non, papa. Ouvre ta bouche. Ha, ha, ha. Buggy, Huggy. Oui, maman. Qu'est-ce que tu caches? Rien, maman. Tu dis des mensonges. Non, maman. Montre-moi tes mains. Ha, ha, ha. Buggy, Buggy. Oui, papa. Tu manges du chocolat. Non, papa. Vous dites des mensonges. Non, papa. Montrez-moi vos mains. Ha, ha, ha. Buggy, Buggy. Oui, papa. Est-ce que vous étudiez? Oui, papa.
Vous en êtes sûr? Oui, papa. Montrez-moi vos cahiers. Ha, ha, ha. Achou! Huggy Buggy! Oui, maman. Vous êtes méchant? Non, papa. Vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Ouvrez vos mains. Ha, ha, ha. Écoute. On est désolé. En êtes-vous sûr? Oui, on l'est. Venez nous faire un câlin. On peut regarder un dessin animé? Cinq petits bébés s'en aller au zoo. Cinq petits bébés s'en aller au zoo pour voir le koala et le kangourou. Un bébé trébuchait, perd sa chaussure. Quatre petits bébés s'en aller au zoo. Quatre petits bébés s'en aller au zoo. Quatre petits bébés s'en aller au zoo pour voir les lions et les éléphants aussi. Un s'est cogné la tête et a pleuré bouhou. Trois petits bébés s'en aller au zoo. Trois petits bébés s'en aller au zoo. Trois petits bébés s'en aller au zoo pour regarder le gorille jouer au coucou. Un a attrapé un rhume et a fait achou. Deux petits bébés s'en aller au zoo. Deux petits bébés s'en aller au zoo. Deux petits bébés s'en aller au zoo pour voir la girafe et le zèbre aussi. Un est resté coincé dans le bambou. Un petit bébé s'en aller au zoo. Un petit bébé s'en aller au zoo. Un petit bébé s'en aller au zoo dans les bras de maman pour voir les animaux. Maman dort et le bébé aussi. Plus de bébé s'en aller au zoo. Trois petits bébés aiment aller au zoo. Quatre petits bébés, cinq petits bébés, tous les petits bébés aiment aller au zoo. Les essuie-glaces font sweet, sweet, sweet.
switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Les essuie-glaces font switch, switch, switch. Dans toute la ville. Les bébés du bus font go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Les bébés du bus font de votre tête. Pardon, maman! Pardon, papa! On va faire ce que vous nous demandez. Venez ici, les enfants, on va vous coucher. Demain, c'est un nouveau jour d'école.
Hey les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air si triste. Avez-vous déjà demandé à maman et à papa quelque chose que vous voulez vraiment? Il semble que tout ce qu'ils disent, c'est non. Je pense qu'on peut vous aider. Quand nous demandons ce que nous voulons, papa et maman disent non. Nous allons vous montrer pour avoir un oui. Voilà ce qu'il faut faire. Wow! Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent et ce qu'ils veulent pour vous. Une fois que vous avez ça en tête, faites ensuite votre demande. Demandez du raisin au lieu du gâteau. Je parie qu'ils répondront oui. Maman, je peux avoir des carottes. Oui. Papa, je peux avoir du fromage. Oui. Maman, pourrais-je avoir une pomme? Oui. Et des myrtilles, s'il vous plaît. Oui. 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 Faites vos devoirs, nettoyez votre chambre. Je parie que vous devinez. Quand vous demanderez d'aller jouer, bien sûr, ils répondront oui. Oh, je comprends. Faites semblant d'être eux et marchez dans leurs chaussures. Imaginez ce qu'ils pensent et ressentent. Ils sont heureux comme nous aussi. Exactement. Si tu veux voir un bon film, un samedi pluvieux, faites vos corvées, demandez à papa ce qu'il pense qu'il vous dira. Oui. Maman, on peut aller chez Samy. Oui. Papa, tu veux danser? Oui. Maman, tu peux m'emmener patiner? Oui. Papa, on peut voyager en France? Quoi? On présente. Oui, c'est comme ça qu'on a un oui. C'est pas très difficile. Vous avez compris ce que veulent les parents. Vous êtes tous les deux intelligents. Merci Gigi. Merci Noah. C'est incroyable. Pas de problème. Amusez-vous bien. Hey Huggy, as-tu déjà voulu apprendre à nager? Ouais. Allons demander à papa et à maman. Allons piquer ensemble une tête dans la piscine. Pourriez-vous nous apprendre à nager? Ce serait cool. Apprenons à flotter ensemble, allongés sur le dos. Comme un bateau, flottons, flottons. Ouais, vous êtes génial. Oui. Nager, nager. Il est temps de retenir notre souffle. En dessous l'eau, puis au-dessus de l'eau. Regarde, je peux faire des bulles. Moi aussi, c'est vraiment rigolo. Battement, battement de jambes de haut en bas. Dressez vos jambes, pointez vos orteils, bon travail. Oh, wow! Bougez, bougez, bougez vos bras autour de vos coudes. De l'avant vers l'arrière. Les enfants, vous êtes de bons nageurs. Nagez, nagez ensemble dans la piscine. Bravo à tous, vous êtes vraiment très cool. Merci, c'est tellement amusant. Est-ce que je fais cette partie, non? Très bien, oui. Voyons jusqu'où peut aller. Tout autour de la piscine. C'est super. Nagez, nagez ensemble dans la piscine. Bravo à tous, vous êtes vraiment très cool. Je suis contente, on a appris à nager aujourd'hui. Ouais, la natation, c'est incroyable. Hey Jane, as-tu vu les enfants? Non, mais il est temps d'aller chez le docteur. Je ne les trouve pas. Noah, Gigi, Huggy, Buggy, il est temps de partir. Maman, papa, on peut vous parler?
Nous sommes un peu nerveux à ce sujet. Oui, que va faire le docteur? Laissez-moi vous dire. D'abord, elle prendra votre température, vérifiez votre taille et votre poids. Elle regardera dans votre gorge, dites « Ah !» et mesurera votre pouls. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, même si on se sent très bien. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, c'est l'heure du bilan. Ensuite, elle écoutera votre cœur. Vérifiez vos yeux et vos oreilles. Ensuite, elle tapera doucement sur votre genou. Pas besoin de larmes. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, même si on se sent très bien. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, c'est l'heure du bilan. Pourquoi me taper le genou? Pour tester les réflexes de ta jambe. Pourquoi les réflexes de ma jambe? Pour tester tes réflexes. Si votre jambe bouge d'elle-même, vos nerfs sont en bonne santé. Oh, je comprends! Allez chez le docteur, allez chez le docteur. On n'a plus peur, on se sent bien. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, c'est l'heure du bilan. Allez chez le docteur, allez chez le docteur, c'est l'heure du bilan. Prends, Kiki. Je t'ai eu. Oh non, les pauvres! Ils doivent avoir froid. Allons chercher leurs gants. Nous ferons mieux de nous dépêcher, car leur maman ne va pas être contente de voir qu'ils ont perdu leurs gants. Trois chatons ont perdu leurs gants, ils se sont mis à pleurer. Oh, chère maman, nous craignons que nous avons perdu nos gants. Quoi? Vous avez perdu vos gants, vilain chaton, vous n'aurez pas de tarte. Miaou, 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 nous n'aurons pas de tarte. Trois petits chatons ont trouvé leurs gants avec l'aide suprême. Trouvé par Gigi dans un arbre un gant rouge perdu. Génial, nous avons trouvé un gant pour toi, petit chaton, tu auras de la tarte. Miaou, 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 nous aurons de la tarte. Deux petits chatons ont trouvé leurs gants avec l'aide suprême. Noah et Buggy ont déplacé des roches pour sauver le gant bleu perdu. Wow! Nous avons trouvé un gant pour toi, chaton, tu auras de la tarte. Miaou, 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 nous aurons de la tarte. Le dernier petit chaton a trouvé son gant grâce à l'aide suprême. Dans les pattes d'un écureuil, Guy a trouvé le dernier gant rouge. Mignon, nous avons trouvé un gant pour toi, chaton, tu auras de la tarte. Miaou, 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 nous aurons de la tarte. Trois petits chatons ont trouvé leurs gants, merci au suprême. Oh, chère maman, regarde.